Les gens, il est l'heure. Nous allons reprendre certaines bases. Bon retour, Talia. Wait! Le patch, il est live ou pas? Alors, je rejoue pas Talia parce qu'elle a été up, hein. J'avais vraiment juste envie de passer niveau 30 sur ce compte avec Talia. Ok, let's go! Bon! Oh, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. J'avais pas joué Talia. Merde. Oh! Ok, 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 on est sur le patch du buff de Talia. Oh là là! La zone, comment elle est giga petite. Il nous peut être ici, non? Ouais. Oh, c'est ouf d'avoir des petites zones comme ça me fait trop rire genre. Ah, je suis peut-être mort là. Ah, je suis mort. My bad, my bad. Bon, je suis en full test limite parce que je suis trop excité à propos du Q là. Ah, don't play aggro avec une Talia, ça va pas marcher hein. Mais ouais, j'aurais dû flash le Q là. Quand je l'ai vu qu'il allait me toucher là. Dommage. Hein? Bah elle a son œuf en fait, donc ça me fait un peu chier. Ah, ah relou le maître là. Je sais pas comment elle est morte, la Miss Fortune, par contre. Non, en vrai, je m'amuse. Hein. En vrai, je m'amuse. J'avais pas joué... J'avais même pas vu qu'il jouait barrière, il y avait même pas de flash. Mais ouais, contrairement aux deux autres, bah, les deux autres jouent, la MF, elle fait zéro dégâts. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop jouer avec les ADC, en vrai. Je trouve ça faible, surtout dans la méta, en plus. Tu vois, genre, elle peut pas jouer, en fait. Elle se fait gigazonner. Ils ont le même stuff. Damn! Beau rush. Ah, je vais prendre des bots. Les bots, ça va nous permettre d'esquiver, ça va être cool. C'est trop bizarre, les petites. Ok, good. Enfin un petit kill. On va prendre mes bots. Bon, le début s'est pas très bien passé. Mon ADC est en train de tilt. En même temps, je comprends. Il doit pas comprendre ce qui lui arrive. Mais en fait, les pics exotiques. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas que ça fonctionne en fait. Mais ils sont tellement ancrés dans une méta où je suis l'ADC, je suis le centre du monde. C'est moi qui dois prendre tous les kills. Mais en fait, non. Par contre, Echo, faudrait jouer, hein, c'est pas tellement si. Good. Bon, c'est bon, on est un peu revenu dans la game, là, ça fait plaisir. En vrai, j'ai peut-être troll sur ça, en vrai. C'est juste que vu qu'on se bat vraiment violent, ça va vraiment surprendre le Hextech. Ou lui donner écho. Ouais, ça fait mal quand même. C'est parce que tu te fais juste catch, hein. Je vois pas ce qu'elle veut que je fasse en fait. Nice. Pas joli ça. Nice. On va pas lui prendre de CS parce qu'elle est déjà mentale très très weak. C'était pas simple.
Et ouais, putain, la vache, le Hextech, comment il fait mal. Oh, c'est assez insane. Prendre ça, on va faire beaucoup de dégâts. Peut-être morte ici. Allez, cours. Ça va être compliqué si t'as utilisé ton W. Ah. Bah, elle a arrêté de jouer. Ok, mid est fine, top est fine. Il y a juste la DC qui est un peu boom. Merde. Alors, est-ce qu'elle va int ou elle a arrêté? Ok, ça. Par contre, la mana, ça reste un problème avec elle. Hein. Je lui ai pris un CS à ma pile. Quoi? Bon bah, le écho, je sais pas, il aurait peut-être pu prendre quelque chose. Nice. Merci mon tueur. J'essaie de lui remonter le moral à la MF là, parce que c'est un peu compliqué. Bah là, elle est dans une game où en fait, c'est vraiment le cheval qui a les œillères là. Et nous, on est full ouvert d'esprit. Mais en fait, tu vois, tout peut se jouer en fait. Il n'y a pas vraiment de méta. On t'a imposé une méta. Évidemment, je parle de la solo queue. Dans les games de professionnels, c'est très différent. Et dans la solo queue, il faut que tu fasses une comparaison claire. Solo queue égale chaos. Plus il y a de chaos, plus il y a de champions qui bénéficient du chaos, plus ça va être mieux pour toi. Nice. Du coup, elle est où l'autre? Ah merde, putain. Il avait encore son flash, malheureusement. Un ult, hein, ouais. Chiche! C'est chaud. Celui qui ressemble à un autofill, c'est plutôt toi, MF. Si encore le support adverse était un troll, un vrai support, ok, mais là... C'est incroyable protobelt en fait avec Thalia. Parce que tu peux Q et protobelt. Bon, la game est incroyable. Bah moi j'aime beaucoup. Bah en fait c'est pour ça que c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos. Parce que c'est très très toxique hein, le jeu. Et souvent là la MF elle joue. Mais il y a des moments où moi j'en peux plus de jouer avec des gens comme ça. Et je les fais tilt et genre tu vois là il est en mode un CS. Merde. Oh non. J'ai essayé de l'aider là. Ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, c'est ça que je disais, c'est que... En vrai, c'est un petit peu dur mentalement, tu vois. D'enchaîner... Là, tu vois, je viens de me réveiller, c'est ma première game de la journée. J'encaisse la MF. J'encaisse la MF, y a... C'est pas grave, tu vois. Je sais que je vais faire qu'une game aujourd'hui. Je l'encaisse. Mais quand je suis à 5 games d'affilée et que j'ai cette MF là, je lui prends 3 CS. Et elle pète un câble, je la reporte et je la bats. Et elle est perma, tu vois, parce qu'elle va full insulter et tout. Et bon, ça va, je suis avec Thalia, du coup je m'amuse en vrai là.
veux avoir mon objet, moi. La Miss Fortune n'a... Je comprends pas sa logique. Elle se plaint que apparemment je suis autophile et que je troll, alors que elle vient de dire qu'elle est autophile et qu'il faut rien à s'attendre d'elle et qu'elle s'en fout. Je ne comprends pas sa logique. En vrai, la game, quand il y a deux exotiques comme ça, moi je prends trop de plaisir. Mais il faudrait que la personne avec moi soit aussi dans l'exotisme. Parce que là, la MF n'a servi presque à rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, qu'elle a servi à rien. En vrai, t'as plus d'âge, hein. Alors, c'est pour ça que je stream pas en passant, hein, pour ceux qui se demandent, j'ai beaucoup de mal à stream League of Legends. Les games en fait t'affectent moralement et en stream tu dois enchaîner en fait. Moi tu vois j'ai des games comme ça, bah je fais une pause, je vais regarder Netflix, n'importe quoi, je vais regarder une stream, autre chose quoi. Normal, je ne comprends pas la MF. Je lui ai pris un CS sous tour parce que je pensais qu'elle allait pas l'avoir. Genre. J'ai pas envie de flash pour ça. Là, c'est un peu risqué d'aller. Plus dash. Ah là c'est ultime. Ah le Medjay, ouais je sais pas, je pense que je vais prendre Banshee en vrai. Bien joué. Allez meurt pas, all good. Bien joué. Ultra 13, pas dégueu. Bon, et bah le dragon est fini. En vrai, je suis quand même content, Talia. Le buff est ultra agréable. J'ai quelques problèmes de mana parce que j'ai un peu int avec la Protobelt. J'aurais dû prendre le Ludeneko qui m'aurait donné de la mousse speed. C'est juste que j'avais envie de tester Protobelt. Mais voilà. Mais là, clairement, fouf. Si là j'étais en stream, j'ai pas le mental les gars, j'ai pas le mental de rejouer une game. Là c'est, j'ai fait ma game pour la journée je pense, j'en peux plus déjà. Hein. C'était fun à jouer, le jeu est trop drôle. Mais la communauté même si je... Mais comment ça elle meurt pas elle? Bon bah rip. Bon bah c'était cool. C'était cool Talia, Talia support, dommage pour la MF. Ça aurait été une très très bonne game sans elle hein, pour le coup. Bah j'espère que vous avez aimé la vidéo, ça faisait longtemps, c'est cool. Mais en fait là tu vois je me suis forcé à faire je me suis forcé à faire une game où je commande tout le temps mais tu vois genre dès que je vois que la MF joue comme ça j'arrête et je vais sur Netflix en fait je suis en train de mettre ma musique et j'arrête de commenter, j'arrête de tryhard parce que je sais que mon moral j'ai pas le moral pour continuer tu vois là elle, je suis en stream j'ai plus envie de stream de la journée je fais une game comme ça, la MF même si je la mute hein, parce que je sais qu'elle arrête de jouer elle arrête de m'aider et tout. Je le sens, je le vois, et j'ai plus envie de jouer.
pense qu'on a quand même fait des dégâts. Hein. Ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et ils avaient full résistance magique, hein. La Irelia qui prenait 0 dégâts. Full résistance magique. Allez, des bisous. À la prochaine, ciao.